C'est toujours ce que j'ai pensé. J'ai toujours, quand j'étais petite, regretté de ne pas être un garçon, si tu veux, dans ce sens-là. Parce que justement, ce que je cherchais à travers le cinéma, c'était un alibi pour vivre. Donc, un moyen d'avoir une force pour moi, pour me défendre. Et comme je ne l'avais pas en tant que fille, parce qu'il y avait l'agression de toute façon permanente des garçons, ma fille, ça, je savais que les garçons, c'était des gens qui avaient cette liberté de pouvoir tailler sans se faire agresser physiquement, sexuellement, qui pouvaient aller dormir dans la rue, ce que j'avais envie de faire, sous les ponts, sans problème. Et qu'en tant que fille, je ne pouvais pas, parce que j'avais une robe, je ne voulais pas qu'on voit ma culotte. Il y avait des trucs aussi cons que ça, tu vois. Bon, en disant, bon, si je veux pisser, c'est ce que je vais faire. Bon, tous des trucs à ce degré-là, pratiquement au niveau tout ça, sexe, tout ça, qui était très chiant. Je n'avais pas le courage de ça. Je serais un garçon, je suis sûre que je serais partie sans problème à l'étranger. J'ai toujours envie de voyager, enfin, de partir. Pour chercher, c'est toujours le même problème. Je sais pas ce qu'on trouve. Enfin, si, parce qu'on peut repartir ici, puis chercher ici. C'est ce que j'ai fait avec le cinéma. Mais là, je serais partie physiquement, réellement, moi, toute seule. Ou je serais partie, ou sur la mer, je me serais fait engager comme n'importe quoi, marin, tout ça. Il est bête. Voltaire. Et moi-même, je ne me sens pas très bien. Le marquis, il est absolument insupportable. Et monsieur Voltaire, qui est mon compagnon, voire mon amant aussi, parce que madame marquise du Châtelet, c'était une dame scientifique. Hein, c'est ça? Oui. Courtisane. Elle se promenait toute nue devant ses domestiques. Elle traduisait Newton. Elle traduisait Newton. Elle faisait d'autres traductions. Elle parlait plein de langues. Elle avait une certaine beaucoup de fantaisie. Très extravagante, haïe de beaucoup de personnes et quand même adulée par quelques autres, n'est-ce pas, Marquis? Oui. il m'exaspère. Je ne le supporte pas, je ne le tolère pas. Il m'énerve. Petit philosophe, heureusement qu'avec Voltaire, nous avons notre chère complicité éternelle. Je vais être absolument ridicule. J'adore le maquillage. Et on fait toujours jouer en naturel, mais j'adore le maquillage, j'adore les déguisements, j'adore les costumes. J'adore la peinture. J'adore les hommes et les femmes. Pardon. Vous, en tant que femme, vous la sentez comment, ça? Mais moi, en tant que comédienne et fille, enfin, en principe, c'est... J'étais très très surprise que ce soit un garçon qui le montre de cette façon et qui comprenne aussi bien ce problème. Parce qu'en général, où ça reste d'une manière intellectuelle, quand les types veulent faire des efforts pour comprendre les femmes avec un peu de condescendance ou quoi. Et là, c'était au niveau de plusieurs degrés de sensibilité. Et je trouve que c'est complètement juste sur les et trois. Et toutes filles. Les trois sur la même longueur d'onde. Je pense qu'on était toutes les trois, en étant toutes les trois différentes, vraiment sur la même longueur d'onde, parce que
les rôles auraient pu, je crois que j'aurais pu jouer les deux autres rôles. Et les Brigitte et Edith aussi auraient pu faire la même chose, je pense. Bertrand, il a eu la force formidable. Je crois que c'est une force assez étonnante pour un premier film. J'ai rarement vu ça, de tenir trois personnes et d'arriver à nous parler d'une manière telle qu'il a obtenu ce qu'il voulait exactement. Avec des méthodes... bon. Bizarre ? Non, pas bizarre. Justement, formidable. Parce qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont, je ne sais pas combien de films derrière eux, qui ne sont pas capables du tout d'avoir ce rapport avec les comédiens, qui ont encore la trouille d'avoir des comédiens. Bon, Bertrand nous a parlé, c'est à partir d'un rapport dans la vie qui est devenu le rapport du cinéma. Et moi, je pense que c'est la première chose de la mise en scène. Dans la grisaille, je ne parle pas de noir et blanc. Je parle de grisaille. La vie, elle n'est pas noir et blanc. C'est autre chose, c'est une forme de vue, le noir et blanc. Mais la grisaille, c'est l'enfer. Mais, besoin de couleurs, besoin de gens, besoin de chaleur, besoin de tendresse, besoin d'amour, besoin d'affection. Vous marchez, Juliette, au bord de l'eau. Vos quatre ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle.